Oui, ok. Bon. C'est là pour la radio? Arnaud, ouais, canal 2. Tout faire? Ouais. Vu qu'on a 4 battes 3. Oui, en effet, on se fait bombarder, je pense. C'est bombardé, oui, tout va bien, c'est normal. Ouais, tout va bien. Vu qu'il y a 3 bateaux, je te propose d'en prendre les deux de droite et nous on prendra celui de gauche. Ok, on prend tous les bateaux. Donc. Sardo, check ouais, radio. Excuse-moi. Check. Ok, c'est bon. Aussi, check radio, quand même. Ok. C'est bon, tout le monde entendu. Check radio pour l'assaut. Ouais. Tout faire. Je te donne le groupe sur moi si tu veux. De Sibérie assaut, bien reçu. Hop, toc, toc, toc. Ok. Faites gaffe en poussant les bateaux parce qu'à chaque fois il y a des blessés. C'est à chaque fois le putain de truc. Faut qu'il y en ait un qui se mette en pilote avant de pousser le bateau, sinon le bateau il va se barrer sans vous. On a une couleur particulière. Rouge, vous prenez le bateau qui est à la mer. Je ne crois pas, non. Mène-toi, va le chercher. C'est pas moi qui pilote, c'est pas moi qui pilote. On s'en fout, ramenez-le, il va se barrer sinon. Mystery ? Ouais. On est sur quel canal à dos ? Ok. Ben Warzen, tu montes à l'avant du bateau. Ouais. Aku, tu montes, je conduis. Alors, Random, tu nous pousses. Sardo, tu peux descendre. Ok. Je laisse Rouge avec ce bateau. Rouge, vous allez nous suivre. Je vais me mettre dans celui-là. Ah. J'ai encore 2, 3, 4, 3. Attends-moi la main. Attends-moi. Attends, je m'arrête, vas-y. Tu peux pas t'arrêter avec un bateau, c'est trop là. Bah si, je suis arrêté là. Tu l'as. Ouais. Voilà, il est devant. Donc Mystery, on a des strobes, des lasers et tout le bordel, même si la nuit est claire. Ok. On va voir une fois sur place ce qu'on va faire là. C'est chaud, hein. C'est dense, hein. Comme Mais j'aime bien les missions comme ça où tout est pas. De toute façon, mon optique elle est pas compatible NVG. Hein, donc, Ah. Oh, vous êtes fort, chef. Merci. Et moi, je me suis concentré. Et pour assaut, vous suivez, je passe devant. Le GPS. Oh, j'ai le GPS. Moi, je vois pas bien de devant, donc vous, ici à rocher. En tout cas, y a pas beaucoup de fond. Attends, je suis quoi d'ailleurs ce que... Bon, on est monté dans un bateau, on a fait 200 mètres, on a déjà réussi un objectif, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Là, j'ai jamais eu autant de fluidité sur quoi d'ailleurs ce que... Sur une mission sur Sardo. Non, on va se là. Une bonne nouvelle de Sardo qui est parmi nous. On est actuellement sur les bateaux en direction de la base russe. Donc normalement la base elle est à droite du port. Ouais. On est dans le bon branchement là, j'espère. Je suis pas sûr, je pense que c'est vers les 11h. C'est à 11h. Oui, ouais, c'est bon. En 330, j'ai un truc qui s'allume dans les dans la forêt. Quel cosse ? Y a-t-il un avion dessus ? Ok, c'est le port qui a été bombardé.
atterrir, parcourir à toute vitesse sur ma droite. Vous voyez une main de plus, je pense que c'est là où ça fume, ma droite. Là. Ok, c'est des lumières pour moi. Ouais. On va débarquer, vous allez vous positionner sur la gauche de la base russe. Là, vers okay. Ouest. Il y a un tigre sur place. Et à nous ça, normalement, non ? Ouais. Maintenant pour Sibérie, débarquer, vous positionner autour de la base russe, vers tout le nord. Tu peux aller tout droit, c'est bon ? Ouais, c'est bon, change pas de cap. 5 mètres, la touche. Ok, on descend. Ah ! Ouais, tous descendus du même côté. Random, je te laisse gérer le trinôme quand je suis pas là. T'es sûr de ça ? Certain. Non. Akou, il est bien, Akou, il aime bien. Okay. Y'a qui là? Essayez de vous placer. Attendez, on est où là? Essayez de vous caler au niveau de la route à peu près, ce sera okay, un meilleur visuel. Pour Sibérie, rectification nord et est à peu près au niveau de la route. Rien. Ah merde. Comme ça, ici. Le chef. On a vu sur les murets de l'autre côté de la route. Hey Random, Warzel, vous m'entendez? Si vous voulez pas l'idée, alors falloir suivre mes ordres. Bah vas-y. Eh bah venez sur le muret de l'autre côté de la route. On arrive. C'est mignon, mais on t'a pas entendu hein. Ah bon. Bah problème de com alors, désolé. Je sais pas ce qui a pété tous nos blindés là, mais... Ah, y a des tirs de Sandstorm là, on les voit passer de temps en temps, donc... Ok, regroupement sur la base, on va grimper dans les gaz. Bon, on va de l'autre côté. Sur la base. Yeah. Est-ce qu'il y a, on peut mettre un gunner sur le truc là? C'est Warzen, si tu peux monter avec la tête d'or, ouais. C'est cool. Je pense qu'il peut s'exposer, ouais. Si c'est prévu et pour. Je suis Sibérie ici, mon équipe à 20 mètres. T'as reçu l'ordre qu'on a eu là ou pas? Négatif. Alors, l'objectif c'est de rejoindre un point qui est au nord-ouest du barrage routier qui est à l'est. Attends, c'est 117-113. 117. Nickel. Ouais, c'est bon. Merci pour mon marqueur. Ouais, ok. Ouais. 1713, là, il l'a. Ça te va ? J'ai pas envie de passer par les barrages routiers. Donc, ce qu'on va faire. C'est la place avant Mystery, comme ça, il verra bien. Tout droit, plein nord. Et essayer de récupérer la route au niveau de l'antenne. Là. On y va en voiture ? On y va en voiture, ouais. Ouais, parce qu'il y a deux bornes et ça va être long à pied. Ouais. On va dire que sont assez blendés ces trucs.
Et tu crois qu'on passe avec les... Ouais, je passe devant, tu me suis de toute façon, ok? Ok, reçu. Si jamais on se fait tirer dessus, essaie de te découvrir à droite ou à gauche, nous on fera barrage de front avec, avec la MG. Et on se fait tirer dessus, donc on s'arrête, on riposte. Voilà, enfin, vous essayez de vous décaler gauche ou droite, vous. Gauche ou droite, ouais. Nous on se fixera pour en tenir la position. Ok, reçu, je te suis. Allez, on... ouais. Mystery, et on embarque les oui. gars. Le véhicule est blindé d'armes, d'ogives, de lanceurs, de tout ce que tu veux. Oh ouais! C'est moi le conducteur, ouais. J'avais dit. Qui conduit là? Moi, random. Non, tu descends. Ah bon. Je vais conduire. Vas-y, par contre, je vais mettre en copilote okay. pour vérifier que je vais bien où il faut. Ça marche. Dis-moi où tu veux aller. Warzen, ça a pété où là? C'est derrière nous. Sur le il faudrait plan. Accélérer là. Commandant pour Sibérie, on se dépêche. Ça vient de péter pas loin là. C'est 113-117 la target. On va essayer d'y aller en passant tout droit. 113-117, bien pris. C'est 217-113. C'est. Ah oui, pardon, c'est 117-113, effectivement. 117-113. Oui, ok, d'accord. Warzen, t'entends? Affirmatif. Et si tu vois quelque chose qui nous tire dessus, tu tires. Sinon, tu te fais petit. Bien pris. Est-ce que tu peux te faire petit? Et ils suivent bien derrière Warzen? Ah oui, ils sont bons, c'est bon, les voix. Ouais, ils sont derrière. Oui, c'est bon. Tu dépasses le château là, c'est ça? Elles vont faire très noir. C'est clair, clair. Tain, c'est un veau. Mais non, appuie sur le turbo. Oh, 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 ça c'est le port. C'est la base qui vient de péter? Je pense, ouais. Ah oui, c'est vrai que les gaz c'est de la merde hors route. Bah ouais. Alors on va plus vite qu'à pied, au moins on est. On résiste au bal un certain temps. Ouais, tu continues en deux directions. Ah, l'objectif c'est de rejoindre la tour là. La tour radio là? La tour radio, ouais. Ok, par plein nord alors. Essaye de prendre un chemin qui limite les dénivelés. Il y en a pas. Très bien. De bleu plein nord. Alors pardon, plein nord c'est par là. Ouais. Faudrait peut-être s'attendre à avoir du méchant sur Kronotsky. La tour radio, elle est de l'autre côté de la frontière? Non. Non, mais elle derrière il y a Kronotsky. À l'intérieur. Derrière il y a Kronotsky, ça a l'air d'être une base, un militaire. Putain. Ah ouais, d'accord. Oh, putain, ça va être dur là. Ouais, mais elle est juste là ta tour radio. Ouais, elle est juste là. Mystery, passe la première. La la la. Je suis médecin, mais je sais pas raccommoder les bouts de chair. Hein. Allez, pas que t'ailles à droite là. Y va. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on entend un coup. Ok. Là, tu fonces droit vers une base militaire. Hein, et on passe la frontière rouge. Ouais. Et un film. Berry, on fait une courte halte. Rappelez Sibérie. Ok, on est juste un peu plus loin sur la route, on vous attend. Donc effectivement, c'est une base. Et on va passer à droite. Artobolsk. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas des requins dedans, quoi. C'est ça qui me fait peur. Et on va couper à travers champ par l'est pour rejoindre la route un peu plus bas pour éviter la base militaire qu'on va avoir droit devant. On a moyen d'avoir un visuel sur Tobolsk à un moment donné là. Pas vraiment. Bon, allez. De toute façon, on l'a déjà peut-être passé. Hein. Allez hop. Ok. Moi j'ai des véhicules, c'est des 4x4. Ah, c'est fait courant. Olé. Ok, donc on va atterrir là, c'est marche droite. Commandant pour Sibérie. Le village, on le passe très vite. Ouais, planque-toi, Warzen, serre les fesses. Limite, t'exposes pas parce que t'auras pas le temps de répliquer. Il y avait un camion là. On esquive, on esquive.
Oui, il était à l'arrêt, lui. Il y avait un civil ? Ouais. Dis-moi où ce qu'on fait est hyper dangereux, rassurez-moi. Non, moi j'aime bien. C'est couillu, on va dire. T'es couillu. Bon, le point rendez-vous. Ouais, tu devrais pas être très loin, fais attention. Alors là, on va passer la base, là, qui est sur notre gauche. On va voir avec l'orientation de la route. Je suis sûr que c'est bon, tu peux encore y aller. On y est bientôt, là. On y est. Encore un petit peu. Ah ouais. Ok, ça va être au bout, là, au croisement au bout. Ouais, c'est là. Devant toi, tu t'arrêtes, ouais. Perry, on va se garer sur la gauche. Se garer. Se garer, c'est-à-dire... Ouais, foncer dans la forêt. Ok, vous sortez, ouais. Sortez, couverture... On est arrivé au point ? Descendez, couverture ouest. Il y a quoi dans le véhicule, là ? Waouh, mon dieu ! Et on débarque couverture ouest. On est censé être en prend chacun un arbre, là. Là, on est ici... Bah, avancez-vous un tout petit peu, restez pas à la bagnole. Et juste éteindre ses phares là. Ah oui, putain, c'est ça que je voulais faire. Merci. La nuit est pas si clair que ça. Hein. Ouais. Non, moi je suis pas sur NVG. Je pareil. Idem, et donc j'ai viré l'optique. La mienne est compatible. Et. C'est quoi ta console d'optique ? Viré à l'ouest. À coup ? T'as un GPS ? Pardon, touffeur, excuse-moi. Ouais, attends, j'ai un GPS, mais je crois que c'est un dagger, il faut que je l'équipe. Je suppose que le MP6-3 est pas compatible avec le paquet. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais. Et on est là où t'as dit de rejoindre le point. Enfin, non, de grimper la crête là, le point 149 qui est à peu près à 100 mètres. T'as un point rouge, Warzen ? Ouais, ok. Là, je vais essayer de passer le mien et c'est pas compatible. Surprise, on va se mettre juste derrière toi. Le tien, peut-être que oui, par contre. Ouais, mais il a dit que ça allait donc ça ira. C'est bon, ça va ? En fait, on a le même. Les points rouges, je le fais sur l'uniforme du mec en face. On a des lasers, oh, c'est génial. Eh oui, je t'ai dit, on a des lasers, on a des strobes. Pas nous. Est-ce qu'il y en a un qui est léger pour prendre un lance-roquette en plus ou pas ? 24 kilos. 27. Je vais passer à l'avant. 31. Je peux essayer si tu veux, Missy. Un qui peut prendre le lanceur et un qui prend les roquettes. Ouais, je prends le lanceur, tu prends la roquette. PG7V ? Ouais. Oh, attends, laisse tomber, je suis à 36 kg, ouais, c'est coup, horrible. Arme baissée. Hein. Vous pouviez. Moi je suis à 35. Oh, laisse tomber, c'est trop lourd. On sait qu'il y a des roquettes en plus là. Et on va suivre le groupe qui est devant, bah, en colonne derrière moi, dans l'ordre Aku, Warzen, Random. Yeah. Aizu. Parti. Ouest. Missile de merde là. Va les niquer, chef. C'était vachement plus clair au sud, on en aurait dû rester au sud, c'était mieux. C'est pas quand on est dans une forêt. Peut-être. Ah, parce que là on est en clairière et c'est un peu plus clair. C'est moi et des standstorms qui viennent de passer là. Si, si, ouais, ouais. Ça fait depuis 10 minutes que ça tombe là. C'est ça qui est tombé près de notre position. Quand et, on c'est... et c'est notre objectif. De quoi ? Les missiles. Non, les lanceurs de missiles là-bas. On continue. Tu vois les restes à travers les arbres. Les feux d'artifice qui sont vraiment dans les airs, Mystery. Ah non, j'ai pas vu. Ouvre tes yeux juste devant toi, tu vas les voir, ils traversent comme des étoiles filantes. C'est très sympa. C'est où là, bonnet rouge. Pas du tout. Ah, il est là-bas. Non, pardon, on continue à les suivre. L'objectif serait de créer un visuel sur toute la vallée qu'on a à l'ouest. Oh putain, on voit rien. Ouais. Et Altici sont juste devant. Mystery. À coup. Ouais. Lumière en 290. À 700 mètres. Ouais, vu. Je check, Victor. 290, ouais. Tu dis ? Ouais. Ah,
Ah ouais, visu, loin. Ouais, ouais, très loin. C'est, et, c'est un lampadaire près d'une maison. Ah, d'accord. Zut. Voilà, le sandstorm est pas si loin de... Il est à 200 mètres au sud de la lumière, là. On vient de voir partir les tirs. Mist. Yes. On a une lumière sur notre 290. On a les départs de Sandstorm à proximité, 200 mètres environ au sud. Donc, on dit, ta lumière, ça n'a pas l'air devant une maison, je crois. Je pense, ouais, s'il y a une maison à côté. Et les départs sont juste à gauche. Mais je pense qu'il y a plusieurs lanceurs, hein, de toute façon. Bah, il y a 3 batteries US, plus un lanceur Sandstorm, plus je sais plus quoi. Le QG. Et des officiers. Beaucoup de monde, tout ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est facile à trouver une base d'artillerie. Hein. C'est là-bas. Ouais. Je suis comme un arc-en-ciel. Allez, on rejoint Sibérie devant, là. Ok. Mystery. Ouais. Si tu crèves, t'as annoncé la succession de commandement? T'as envie de le prendre? Non, 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 non. Il y a des officiers dans les autres équipes pour ça. Ok. Et Sibérie, on peut repartir vers l'ouest? Ouais, mais on voit que dalle. Poursuivez plus à l'ouest, il y a l'air d'avoir sur le point 111 une espèce de petit plateau qui a l'air sympathique. Il y a là que tout faire, ouais. T'as vu, sur t'as vu sur la carte, ouais? Ouais, ouais, 111, mais ça m'a induit en erreur le dagger là. Du coup, on est passé trop loin de 149. Ouais. Ouais. Bah, 111. Si on va tout droit, c'est 111. Ouais. Ouais. Faut faire gaffe à notre arrière droit là, surtout s'il n'y a pas des mecs dans la base. Ouais, et on va se remettre en colonne et on va partir direct sur 111 en faisant gaffe à droite. Ok, on vous suit juste derrière nous. Ok. Et les gars, on reprend colonne cette fois et on va partir directement ouest. On va suivre Sibérie. Notre objectif, nous, c'est de couvrir sur tout ce qu'il y a sur le flanc gauche. Au cas où il y aurait du monde sur la base qu'on a évité tout à l'heure. On est parti. On leur laisse 30 mètres d'avance. Si on les suit, on reprend la colonne comme tout à l'heure. Ok, Mystery, avec les monoculaires et tout ça, il faudrait peut-être faire un état des strobes parce que je pense que ça nous sera vachement utile. Ou des lasers. Ouais, c'est pas faux, ouais. Parce que. T'avais des strobes ? On y va, les gars. Bah, tout le monde n'en a pas. Moi j'ai tout, mais tout le monde n'en a pas. J'ai les strobes, mais pas le laser. Pareil, pas de strobe, enfin, strobe, pas de laser. On verra quand on fera la reco là. Parce que ça va plus le T4. Les tirs de Sandstorm là. Pile devant nous, ouais. Ouais. Bah non, top top, véhicule, véhicule, véhicule sur la droite. MV armé. Et on va se cacher. On va deux, deux, deux. Il y en a deux. Il y en a un sur le 320 et un sur le 300. Alors j'ai un petit peu de calé pour avoir un visuel correct pour les engager au cas où. On reste statique calme pour l'instant. Essaye. Thierry, ouais, bien vu. Pour les azimuts, je suis au 320 et pas le deuxième. On reste planqué pour l'instant à voir ce qu'ils font. Ils sont arrivés, ils sont stoppés. Un coup. Ouais. Tu peux répéter les azimuts, j'ai celui au 320 et pas le deuxième. 320 et 300. Le Warzone, j'ai les deux en visu. Et ensuite là, ils sont en train de reprendre du mouvement. Comment pourra-t-il est-ce que vous me recevez? Quelle est votre capacité de roquette actuellement? Et bien reçu. Pour information, on a croisé deux MV armés qui se baladaient à l'est de la zone. J'en ai un qui parle. Il part vers la maison, justement. Bien reçu.
pied, j'ai de l'infanterie à pied repérée. Et bien reçu. Attends, stand-by. Ok, ou azimut distance. Ok, alors c'est un azimut 295 à 800 mètres de distance. En gros, c'est entre nous et la maison avec le lampadaire qu'on a repéré avant là. Et elle est passée sur le chemin des fines droites. Ok, d'accord. Ah, c'est en plein sur la zone de toute façon, donc à mon avis, ça va bouger. On suivait ouest. On en pourra-t-il là ? On repart en colonne, les gars, à pleine ouest. Ok. On a eu une première report de contact. On bouge ! Ça va être le MV qu'on a passé, vu passer tout à l'heure. Attila, est-ce que vous me recevez ? Si ça arrive vers nous, on l'allume méchamment. Ouais, c'est proche. On jette un petit coup d'œil de temps en temps sur le flanc gauche. On n'oublie pas qu'on a laissé une base militaire peut-être occupée. En fait, on le laisse passer et s'il fonce sur notre position. Véhicule, flanc gauche. Sur notre arrière gauche, azimut. Sud, plein sud. Ouais, j'ai un vie armé, attention. Vous êtes où, les gars ? Ici. On est là, je suis là. Oh, yeah, ok. Qui est-ce qui va à gauche, là ? À gauche, c'est l'équipe à Mystery. Que dalle, j'ai même pas d'audio. Ok, Mystery, on avait un audio. Ok, pour info, c'était des phares derrière les arbres, en plein sud, des fils en gauche. C'est la merde ici, là. On est bientôt sur 111, hein, par contre, à 100 mètres, je crois. Ouais, très bien, il faut qu'on se positionne sur ce point. Ok, il y a plus d'audio là, je pense qu'il s'est barré. On va repartir, on va faire 200 mètres à l'ouest encore. Je suis là. Allo, allo. Je vous vois pas, mais on va rester fifi le temps que Sibéri avance un petit peu. Non, c'est Goya, ok. Je suis là. Présent. Ok, on repart ouest, accroupi. Ok. Attention, hein, sur notre flanc gauche, on risque d'avoir le MV armé. Et pour info, je vois la position qui tire les roquettes. Ok, bon, il s'est barré. Putain, c'est chaud, Mist. Je t'explique pas la gestion là, ouais, c'est. J'écoute. C'est la monoculaire. 108, 119, bien reçu, c'est largement hors de la zone ça. Il y aurait un radar en 108, 119. C'est sur notre... Ce sera sur notre sud quand on sera sur le point. 119. 108, 119. Elle est bizarre cette zone ennemie là. Pourquoi c'est si petit alors qu'il y a une frontière si grande ? Et où là ? On est à l'est du point 111 là. On est en 112, 113. Ok. Mac. Allez go, on va repartir à l'ouest, on prend la colonne, il y a Sigrid devant nous. Merci, observation, reconnaissance, on arrive sur vous par votre est. Pas une bonne nouvelle. On voit rien avec ce monoculaire quand on tourne le dos. Ah, je suppose que les ricains ils ont des JVN. Il y a des chances. Ah, putain, chier. On pourra leur taxer les leurs si c'est des billes. Ouais, c'est vrai. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de mettre pas ce trop, tu vois.
Il a reçu. Bah attends, on va peut-être libérer juste derrière nous. Oula. Belle lumière là. Il y a un campement de lucioles juste en dessous. Random, tu jettes un coup d'œil sur le 280? Ouais, ça marche. Ça ressemble à une base. Ouais. Sibérie, on est derrière. On va descendre un petit peu, prendre un... Ouais, genre 240, là, si vous voulez juste grimper un chouïa. Ouais, ouais, on va plutôt camo, grimper, ouais. Camo et infanterie ennemie, par contre, on a pas de couvert, hein, donc... Ouais, je sais, faites-vous petit. Que tu veux, là. C'est la merde, repli est, immédiat, prenez pas de risque. Est-ce que tu vois des blindés ou ce genre de choses, random? Alors, je vois des roues. Mais pas le blindé qui va avec. Non, mais c'est le... c'est un BTR... Enfin, non, c'est pas un BTR, c'est le... Comment ça s'appelle? Je c'est vois... le véhicule du QG, ça. Je vois une patrouille armée de fusils une patrouille armée d'armes de poing. Ouais, pareil. Ah, c'est le des officiers, peut-être. What the fuck? Bah non, il y a un casque. Il y a un mec de... Moi, je vois pas d'ici. Pilote? Ou... conducteur? Bon, possible pilote, ouais. Ah, j'ai un véhicule en déplacement sur le 285. Déplacement droit dans la forêt, derrière la base. J'ai vu des phares passer. Ouais, vu. MV. Ça ressemble à MV. C'est ça. Pas vu. Putain, bah, la position... c'est la merde. Ça va être un bordel là-dedans. Oh là là. On va... je vous le dis, on va tous mourir là. Non, non. Pourquoi tu dis ça? Parce que... on voit Kutch. Ouais, Warden, je t'écoute. C'est bon. On a nos... on chope, on capture une des pièces d'artillerie. Ouais. Et on l'utilise. On n'a pas d'artilleur avec nous, je crois. Et faites reconnaissance pour l'instant. Je vais voir dans l'autre équipe, peut-être. Warzen, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on a des artilleurs avec nous? On a du Métis et deux roquettes RPG, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on a des gens qui seraient capables d'utiliser des pièces d'artillerie américaines? Ah, ça, je sais pas. Tu t'y connais en matos américain, toi? Tu sais lire l'américain? Ah, je sais me servir de l'artillerie computer 2000. Moi, je suis médecin. Ah, oui. Moi, je suis médecin. En 50. MV. 400 mètres. Ah, mais loin, ok, ouais. Ouais, ouais, mais MV quand même. Ouais, oui, non, mais j'ai eu la prochaine fois, je vous laisserai continuer à discuter. Et ils font que ça de nous tourner autour, c'est leur forêt. Ouais, restez par là, je vais voir ce qu'il voit à Sibérie. Mais oui, c'est bien Warzen, toi aussi tu spots des trucs. Nous on est fiers quand on spot des trucs sans jumelles et tout, il est tout content. Il manque l'interaction coup de crosse dans le dans le nez. Dans la gueule. Je t'ai fait une petite tape amicale sur l'épaule, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Eh, ce serait cool si t'as le même genre d'action sur les ennemis, t'arrives dans leur dos, paf, et hop, ils sont morts. Tape sur l'épaule. Ouais. Hop, tu leur brises le cou. Vous voulez pas vous déplacer un petit peu sur les sapins là, juste sur l'ouest, pour avoir un meilleur visu sur la base? Ouais, on peut, si tu veux. D'ici, y a pas de problème, mais comme tout le monde avait été en train de mater la base... Tout le monde s'est barré là. Voilà, bah c'est... Ok, on te suit. Non, bah allez-y tous les deux, moi je vais me mettre sur votre flanc droit. C'est vraiment un mec sympa. Que dalle là, ici. Ah ouais? On voit qu'il y a un truc quoi, mais c'est tout. Ok, ton MV je le vois, il est défilé en gauche, il va revenir vers la base. Ah ça, moi je vois pas. Ouais, il est sur le 3-4-3-30, là. Il bouge vers la gauche. Ah oui, vu. Et ils hésitent pas à faire du hors-piste, j'ai l'impression. Hein. Non, ils en ont pas rien à foutre des routes. D'un coup. D'un coup pour Mystery. Merde, il est proche là. Il est sur votre ouest, les gars, faites gaffe. Il a. Mystery qui a essayé de te répondre. Là. Ok, Mystery, je te reçois pas, mais il y a un vie très proche sur l'ouest là.
Oui. Ouais, de random, écoute, reçois pas, il y a juste un. Il veut juste prévenir qu'il y a un vitré proche sur l'ouest là. Oui, non, je vous ai reçu tous les deux. Venez avec l'équipe sud-ouest là, rejoignez Sibérie, on est un peu plus en, sur la hauteur. Allez les gars, on y va. Là, ici à ta gauche, là je suis j'ai. Oui, non, mais descend. L'antenne est en 260. Calez-vous donc, juste sur la droite là de Sardo. Objectif c'est couverture 300. On a Sibérie qui va descendre. Sardo, suis-moi. Okay. Notamment la MG. Il y a une patrouille sur la route là. Oh, sérieux. Ouais, 2, 3, 4 personnes. Barzen, t'essaies de prendre une position, ah, essaie de rechoper le MV là qu'on a vu passer. Bah là, il y a un Sardo. Ouais, ouais. En face de nous là. Ou un chemin, je sais pas ce que je crois qu'il va falloir bouger un peu pour ça. Sardo, ramène-toi, Sardo. Ouais, ça me pue. Un 280. J'arrive. Ouais, c'est. Là, 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 ici. Je descends là, 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 là. Je descends à la ligne d'armes. Ok, je te vois. Là, quand je dis Warzen, c'est vous deux vu que vous êtes en binôme. Ok, vous êtes là. Ouais, ouais, c'est un peu la merde. On a un véhicule en statique au 287. T'aimes pas la forêt du croisement, C'est le, notre MV armé là qui s'est. Non, le MB Army il est plus sur le sud-ouest maintenant. Donc on a un autre, autre véhicule, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Le 280. Ah, ça, c'est dans la base. Ouais, c'est ça. 287. Ok, je le vois, il est en train de rentrer dans la base, là où il y a le, notre antenne rouge. Dans le grand champ, il y a une trouille aussi, de deux hommes. Grand champ qu'à l'azimut. Un peu de trouilleur d'ailleurs. Deux hommes, c'est pas. 290. Si je veux prendre là. Pour un visuel un peu mieux. Et couvrir quoi ouais. Il y a un vie partout. Mais bougez pas, je vais voir. Je pense que j'ai les alliés en visuel. Bon. Ils sont sur reconnaissance 2, donc. De sapin, je sais pas quoi te dire. Ouais, juste à gauche là, il y a un petit trou. Un 260, tu peux le dire au chef. Un 260, on voit les alliés. Ouais, c'est quand même important, il sait où ils sont. C'est où ils sont le chef. Là pour l'instant, on descendra après là parce qu'on va pas passer devant avec. Ils sont proches du camp ou ils sont. Ah non, ils sont sur la. Racontez-moi exactement. Ouais, ouais, ok, alors bref. Il est caché sous un arbre, c'est ça ? Je suis là, je suis là. Et, je suis là, Mystery. On oui, les voit, ils sont en train tu veux pas descendre ? Si, je me demandais, soit je passe à droite, soit je passe à gauche. Mais je pense que je vais passer à gauche. À gauche ? Même si on a beaucoup de monde, on a les couverts qui sont plus proches. On a plus de couverts. On a un véhicule aussi hein, qui nous attend. Mono. Donc on va y aller et puis ta chauffe, tu seras ce qui arrive. Mais attends, je comprends pas par où tu veux passer à gauche vu que les baraques sont au littéralement au 300 là. Tu pars à gauche, c'est pas le bon sens, si. Mais y'a pas un petit bled là, juste à gauche. Non mais on s'en fout du bled à gauche là, moi c'est le petit au nord-est, non, non, au nord-ouest que je veux. Nord-ouest nord. Non, non, nord-ouest, au bon, au 310, c'est au 310. J'ai du mal. Au 310 là que je veux aller là. C'est, si tu pars à gauche, je pense que tu vas sur le mauvais là. Et bon, on va suivre cette ligne d'arbre là alors. Il y a la MG qui est derrière, si on vous voit plus ou quoi, c'est pourri, on essaiera de se rapprocher pour vous suivre. On va faire ce qu'on peut, mais là c'est pas top top quoi. Ouais, bah, pareil. Ouais. Tu vois en 260 la colline en face là où il y a le grand découvert. Oui. Il y a les alliés dessus, je les ai repérés. Ah, joli, bien vu. Et ok les gars, on repart en colonne. Ce serait bien qu'ils nous repèrent aussi, Mystery. Parti. Ouais. Fais leur coucou, la compi. Je suis là. Ouais. Tu veux que j'en mette un coup de laser, sérieux ? J'ai été détruit apparemment, mais il y a encore des mecs dessus. Commandant, pourra-t-il là ? Allié qui passe devant. Ok, les gars sont partis en 310, ils descendent, faut les couvrir. On va les couvrir, hein ? Ouais. Enfin, il faut quoi. Bah va falloir qu'on se déplace hein, si tu veux qu'on découvre hein, parce que. Ouais, déplacez-vous sur la gauche, venez. Non, on va rien couvrir. Hein. Putain, ça, mon fourmon. Si. Là, il y a une petite ouverture là, à la rigueur. Ouais, en plus, il y a des patrouilles devant la ferme là. Nickel, pose-toi là. Ah, faut descendre là, on voit rien là. Tu vois le. Tu vois la grange ? La grange en 305. Ouais. Il y a des patrouilles qui défilent dans ce secteur là. Ah ouais, on a aussi à gauche. Sauf que là, on a zéro visu là. Attends, faut qu'on dépasse les sapins là. Allez, go, on dépasse les sapins. Mystery. Yes. On est descendu un petit peu, on a aucune solution de couverture ici là. Il y a
je viens, si j'arrive d'ici 30 secondes. Voilà, là ça commence à être potable. Ok, placez-vous. Ah là c'est bien, très très bien. Placez-vous ici. Pardon. Oh, Warzen, t'es où? Ah! Warzen? Viens Warzen, c'est nickel ici. Warzen? Il est tout là? Viens sur ta gauche. Derrière toi. Moi je vais aller me planquer. Peut-être plutôt là-bas. Ok. Hop, MV qui défile au fond. Donc eux ils vont taper au bâtiment là, on est d'accord? Ouais ouais. Bon, c'est quoi le projo? C'est quoi le projo en 2.95 là? MV arrêté, je dirais. Ok. Ah quoique. Attends, deux secondes je décale. T'es sûr que c'est pas un bunker? Ah, c'est peut-être un bunker, hein, difficile à dire. Ça va être quand même dur d'appuyer d'ici. Hein. Et je sais même pas où ils sont là, je sais même pas où ils sont, vous les voyez vous? Bah tu sais où ils vont? Bah ils sont censés suivre justement la ligne de forêt qu'on a devant nous jusqu'au bâtiment. Ok non, c'est pas un véhicule, c'est une lanterne, un truc comme ça. Qui c'est qui est là, là? Okay, ah ouais, attends, il y a des... Mystery, dis-leur de mettre une strobe ou quoi là, putain, je sais même plus où ils sont là. Coup, oui. Dis-leur de mettre une strobe ou un truc, je sais pas, c'est chaud là. Comment on s'y... J'espère que ça les fera pas se faire repérer, mais... Ouais, attendez, stand-by, parce qu'en fait, il y a un putain de Bradley qui peut nous tirer dessus. Bradley? Un Bradley ou ça? Azimut 290. Ah, c'est ça le... Ah, c'est un Bradley, ça, non? 290. Derrière la ligne d'arbre là, après la barrière, il y a un char. Non, il y a un muret. Quoi, ouais. Alors 287. 287. Ah bah oui, ah oui. Random Bradley, ouais. Ah ouais. Random. Oui. Tu peux venir sur ma position exacte et regardez en 295 s'il te plaît, c'est moi où il y a une pièce d'artillerie. 295. C'est une pièce d'artillerie. Ok. Mist. Je dirige vers... Oui, j'ai entendu, je l'ai vu. Nickel. Donc on a un Bradley. Putain, putain le bordel. Tu l'as vu le Bradley ou pas? Ouais ouais, je l'ai vu. Putain, t'as vu le mec de... le nombre de mecs qu'il y a en face là? Ah ça va, ils sont 15. Ouais, et c'est moi où il y a encore couvert un véhicule en 280. Deuxième Bradley. C'est un Bradley aussi? Deuxième Bradley repéré 312. 312. Et lui il est bien placé pour nous arracher la gueule. Mystery, t'as entendu? Confirme, juste à côté des bâtiments. Ah, attends, il est en com. Ouais, j'ai entendu, on va se faire arracher la gueule. Totalement ça. Et peut-être que c'est qu'une force de dissuasion, les mecs, c'est bon, peut-être que c'est des faux en carton. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est tellement souvent le cas. Et oui, alors oui, écoute. C'est beaucoup trop long comme radio. Bah, on a deux Bradley. Ouais. T'as vu le deuxième, c'est tout. Hein. On va attendre ici. Warzen, est-ce que tu es bien placé pour arroser d'ici? Bof. Est-ce que plus tu pour peux chatouiller que tu veux. Est-ce que tu peux faire les patrouilles et les Bradley d'ici, Warzen? Tu disais? Non, rien. Est-ce que vous prenez des tirs? Le truc, je peux pas m'appuyer. Je suis à l'Iron Sight. Donc. Ouais, de superbes conditions pour faire du tir, quoi. Ouais, ouais. Retire tes NVG, là, t'as une bonne lumière. J'ai cru observer les tirs sur le bras de droite et sur le QG ennemi. T'as une bonne lumière, ouais. Y'a qui là qui est en train de faire du bombardement? Avec ta lunette, tu devrais pouvoir faire du bon boulot, je pense. MV en 280, à nouveau. Oh putain, ils l'ont pas eu. Oh, oui, il bouge. Ouais, mais il fume. Ah! Ah, c'est bien. Parfait. Popcorn! Boum! J'entends pas le popcorn, zut. Ah.
C'est du bon boulot. Alors Warzen, c'est bon comme ça avec la luminosité? Bah, surtout avec le truc qui est en train de péter. Ok. Est-ce que tu arrives à voir un petit peu sur la grange si jamais il fallait faire des tirs? Mais jamais content. Tout, je vois, j'ai une vue à peu près correcte sur la grange, mais le l'angle est quand même faible là. Hein. Ok, d'accord. Ouais, pour déployer, okay, tu veux dire. Pour info, la grange c'est 260 mètres. De 6-0. Ok. Le Bradley qui est en train de fumer là. Il y a une patrouille qui passe devant. C'est 400. D'accord. Oh, c'est beau. Et voilà. Non, rien. Je me décolle sur la gauche, 2 secondes. C'est nous-mêmes là qui vont sur la grange? Ouais. Affirme. Comment faire pour que Warzen puisse déployer correctement? Donc ils ont touché la grange là. Ouais, c'est ça. Ils sont au coin. Est-ce que j'engage? Et quoi, nos mecs? Oui, engage, gauche, gauche. Ok, premier set, deuxième. 300 mètres. Ok, ils sont tous les deux dans le coma, non achevé. Allez, terminé. Warzen? Ouais, ouais, ouais. Y'en a un qui se réveille, y'en a un qui se réveille. Trop long. Ok, premier traité, deuxième encore dans le commun. Attends, ça tire de... Putain, j'ai trop hâte que le MV nous tombe sur la gueule. Oh putain. Trop long. Après, c'est bon là. Oh putain, ça tape de partout. Mystery doit jouir dans son slip là. Voilà, j'ai dû l'avoir là, non? Non, non. Alors Mystery, tu te souilles? Je? Tu te souilles? Pourquoi? Parce que ça explose. Ouais, mais en fait ça m'emmerde là, parce que ça explose mais ça balance des obus autour là. Oh wow, elle appelle roquette. Oh putain, elle vient d'où ces roquettes? Ok, même endroit pour la gauche. 250. Tête de guerre. C'est sur lui. Viens Mystery, recule. Je sais pas. Ok, il est pas mort le mec d'avant. Il y a encore une pareille là. Ok, dans le mort. Une fois que là, je l'ai perdu. Ouais, on couvre leurs flancs, on les laisse s'occuper de leur objectif, ok? Là, on couvre surtout leur ouest, hein, et encore... Ouais, ouais, bah, c'est déjà pas mal. Si les équipes avancent plus à l'ouest après là, on a aucun moyen de les aider, là. Audio véhicule sur notre flanc droit, j'ai l'impression. Confirme ou pas? J'entends rien, moi. Je change de bande. Ouais, j'ai attends, pas avec énormément bordel, de mun, hein. Il doit y avoir pour toi, je pense... Ok, si, véhicule. Ouais, véhicule 310. Bradley, je crois, en mouvement. 310, derrière les sapins là. Ok, il passe près de la grange. Hein. Oh, ok, non, c'est un M113. Ça se tente distance pas la mitrailleuse. Distance 300 mètres, Warzen. Ça se tente pas la mitrailleuse. Le gunner, si. Derrière nous. Ouais. Ah, MV derrière. Il va sur la droite. C'est bon, il est pas bon. Engage. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, non. Il est passé. Il s'est arrêté. Non, te lève pas. C'est pas grave.